Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je continue euh, avec mes petites vidéos de partage de mes réflexions dans mes méditations euh, des évangiles. Je finis avec l'évangile selon Jean et là, j'entame l'évangile selon Matthieu. Et en lisant la généalogie, euh, il m'est venu cette réflexion sur, euh, voilà, les imperfections de la vie de Jésus-Christ. Je vais dire d'entrée de jeu que je ne vais pas dire cela que Jésus-Christ a <coughs> été imparfait. <coughs> qu'il est péché, quoi que ce soit. Mais c'est juste que je me suis juste rendu compte que les seules imperfections qu'on peut voir dans sa vie sont liées en fait aux conditions de sa venue au monde. Donc, de quelle famille est-ce qu'il vient, de quelle lignée est-ce qu'il vient, dans quelles conditions est-ce qu'il est arrivé au monde, c'est ce qu'on va voir. Et donc, la première chose concerne dans la généalogie de Jésus-Christ, on s'attendrait à ce que euh, dans un monde où le peuple juif le Peuple d'Israël est le seul peuple en fait qui connaît Dieu est le peuple de Dieu. Satan a ce qu'il soit euh, à 100% issu de ce peuple. Il soit, il est un 100%, 100 juif, mais ce n'est pas ce qu'on retrouve quand on regarde sa lignée. Donc, en observant sa généalogie, qu'est-ce qu'on voit là? On voit qu'il est fils d'Abraham, Isaac, Jacob, donc euh, suis dans Matthieu 1. Euh, à partir du verset 5, déjà, on dit donc, Salomon, donc on a cité à partir d'Abraham les, les différents fils qu'il y a eu. Et puis on arrive à Salomon qui engendra Boaz de Rahab. On commence donc par Boaz de Rahab. Rahab en fait était une prostituée. Ce n'était pas une Israélite de sang pur. Donc, euh, Salomon en se moment avec Rahab en fait, il y a un mélange dans le, le, le sang. quoi, Raab en fait, c'est une femme. Prostituée qui est dans une nation païenne, qu'Israël en fait va conquérir lors des batailles, lors de leur avancée vers la terre promise. Mais elle en fait connaissant, ayant entendu parler du Dieu d'Israël et reconnaissant en fait que c'est le, le vrai Dieu qui est puissant et tout, elle a en gros disons qu'elle a aidé des messagers qui étaient venus en reconnaissance dans leur pays. Elle les a cachés, elle a aidé à faire qu'ils s'enfuient. Et donc plus tard, quand ils sont venus prendre en fait son territoire, ils l'ont épargné pendant qu'ils étaient en train de, 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 de tuer, bref, de faire la guerre. Quoi. Ils l'ont épargné et c'est comme ça qu'elle a été intégrée à leur, à leur peuple. Et donc, elle épouse Salomon. Salmon, qui va donc... Euh, elle va leur donner pour fils Boaz. Et puis quand on continue dans le premier mélange, peut-être il y a un mélange plus haut, mais je ne mérite pas trop... J'ai oublié le récit de Judas et tout ça, mais... On a également euh, Boaz ensuite qui va engendrer au bête de Ruth. Donc, Boaz se marie avec Ruth. Ruth également, c'est une femme païenne. C'est une femme qu'un Israélite était parti un jour avec sa mère dans une contrée païenne où elle épousait une femme païenne, Ruth. Et puis il est mort. Et donc, lorsqu'il meurt, sa mère veut donc rentrer en fait à Jérusalem. Et donc Ruth dit Bon, je vais te suivre en fait, belle, mais moi je vais te suivre et ton Dieu sera mon Dieu. Donc, du coup, elle sert l'éternel comme ça. Elle rentre à Jérusalem. Et c'est comme ça qu'elle rencontre euh, Boaz et puis elle épouse. Euh, et ils engendrent au bête. Donc, deuxième mélange. Et, et on pourrait dire, bon, ceux-ci, ceux en fait, qui se sont mêlés, en fait, au peuple d'Israël, ce sont des gens qui, bien qu'ils n'étaient même pas israélites, craignaient quand même l'éternel, quoi. Parce que Rahab est dans le, le, le recueil des grandes personnes de foi. Dans Hebrews 11, dont la cite comme étant vraiment une personne de foi et tout. Ruth également, c'est une grande personne de foi. C'est un exemple. Elle a quand même un livre dans la Bible. Mais par la suite, on va se rendre compte qu'avec les enfants de David, parce qu'après on a Ober qui engendre Isaïe, Isaïe engendre David, et puis on a maintenant la lignée des rois, Salomon, etc. etc. Mais on a même des très mauvais rois en fait, qui sont dans la descendance, dans la lignée de Jésus-Christ. Parce de Roboam déjà, le premier roi de Juda, c'était un très grand roi. Et puis on a les rois comme Andio euh, c'est bon, les rois comme Josaphat, c'était des bons rois, Ézéchias, un bon roi. Et puis on a Manassé par exemple, le fils de, 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 de on dit au verset 10, Ézéchias en chantant Manassé. Manassé c'était un tellement, un petit mauvais roi que dans, lorsqu'on lit la fin de deux rois on se rend compte que l'une des raisons pour lesquelles Dieu ne voulait plus pardonner Judas, et il voulait absolument que Judas soit détruit et amené en captivité en Babylone, c'est à cause des péchés qu'avait commis Manassé. Donc, il y a eu des très mauvais rois, mais ce sont des gens qui sont dans la lignée. Parce qu'on dit, Ezekas engendre Manassé, Manassé engendre à moi, engendre Josias. Josias, le dernier roi sérieux que Judas a eu. Parce qu'après ça, tu as Jéconias, ses oncles, les Sédécias, les Eliakim, tout ça. Mauvais roi. Mais voilà, et puis on a finalement Zorobabel. Je connais justement qui est amené en captivité à Babylone, engendré et qui a engendré et c'est parti de l'équipe en fait qui était chargée à la fin de la captivité à Babylone, qui était chargée de revenir en fait en Israël, à Judas reconstruire le temple. Mais son père n'était pas un très bon roi, et saison et tout ça. Donc voilà, dans quelle famille, sur le plan généalogique, Jésus-Christ est au monde. Parce qu'après, on a, voilà, de jusqu'à Jacob, qui est de Joseph, et Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Ça S'arrête même pas là. On peut encore aller plus loin lorsqu'on compare ces généalogies avec celle dans Luc 4. On va se rendre compte que euh, Luc 3, voilà. Ici, on dit Jésus verset Luc 3, verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait fils de Joseph, fils d'élie fils de Matat. Euh, Joseph, fils d'élie c'est différent de Joseph, fils de Jacob, selon Matthieu. Et dans une autre série que j'ai faite sur ma chaîne, Évangile selon LmMg, je m'étais posé cette question. Pourquoi c'est différent des généalogie entre Matthieu et entre Luc? J'ai donné des éléments de réponse, mais il restait toujours un point noir. Et une des réponses qu'on donne souvent, c'est que Luc raconte la généalogie de Jésus-Christ selon Marie. Je ne comprenais pas ça jusqu'à présent, mais là, je me suis rendu compte que si finalement les, les, les ascendants de Jésus... À partir de Joseph, des le sont différents. C'est-à-dire, le Joseph de Luc est-il vraiment le même Joseph de Matthieu Et moi, je pense que l'une des réponses qu'on peut donner pour expliquer cette différence est non. Ce n'est pas en fait le Joseph qui est mari de Marie. Ce Joseph est probablement un grand-parent de Marie. C'est probablement le père de Marie ou le grand-père de Marie. Et donc, du coup, on a cette généalogie, c'est la généalogie de Jésus-Christ selon Marie et non selon Joseph. Mais on se rend néanmoins compte qu'au niveau de David, on se retrouve en fait. C'est-à-dire que tu as la générosité qui passe par Joseph, qui, a, qui est passé par David en fait. Et celle qui passe par Marie est également passée par David. Sauf que Joseph passe par David en passant par le fils de David Salomon. Mais Marie passe par David en passant par, da, par le fils de David, Nathan plutôt. Donc au verset 31, fils de Mélian, fils de Ménan, fils de Matana, fils de Nathan, fils de David. Et puis tout le reste jusqu'à Abraham, c'est la même chose. Ce qui voudrait dire dit que il y a l'inceste dans les ascendants de Jésus-Christ. Parce que d'une manière ou d'une autre, Marie et Joseph du coup sont des cousins. Autre imperfection dans la lignée de Jésus-Christ. Et également on a les conditions de sa venue au monde dans Luc 2, on dit au verset euh, 6. « Pendant qu'ils étaient encore là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier elle elle l'emmèta et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. » Donc, Jésus ne vient pas au monde dans les meilleures conditions. Littéralement, il vient dans la maison des animaux. La crèche, c'est où on garde les chevaux, quoi. Et, et seconde chose, la situation financière de sa famille. On dit dans Luc 2, verset 24, « Parce que dans la loi juive, il faut le huitième jour conseil l'enfant. » Et après une certaine période, il faut partir tant que offrir des sacrifices, n'est-ce pas, par rapport à la naissance et par rapport au post-partum de la, de la femme. Verset 24, on dit :« Et pour offrir un sacrifice, deux tuteurelles et deux jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. » La loi demandait en fait qu'après une période, après qu'une femme a accouché, elle parte faire certains sacrifices. Et elle a offert, elle a offert deux pigeons, deux tuteurelles. Mais quand on revient à cette loi, la loi en fait, c'est plus que quoi dans Lévitique 12, verset 6, on dit Lorsque les jours de la purification seront accomplis pour un fils ou pour une fille, elle apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation un agneau d'un an pour l'holocauste et un jeune pigeon ou une touterelle pour le sacrifice d'expiation. Donc, elle a un gros truc c'est l'agneau et un petit truc sur la touterelle, sur le pigeon, qu'elle doit miner. Mais ce n'est pas ce que Maria a fait. Et dans cette même loi au verset 8, on dit « Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra deux touterelles ou deux jeunes pigeons pour le coste de l'autre, pour le sacrifice d'expiation. » Et c'est ce que Marie a fait. Donc ça, c'est un peu comme l'alternative pour ceux qui n'ont pas les moyens que la loi en fait a prévu. Et c'est ce que Marie en fait a fait. Ce qui veut donc dire que la famille de Jésus n'était pas aisée. Il n'était pas financièrement aisée Voilà les conditions dans lesquelles Jésus est venu au monde. Et ont trouvé ça intéressant de voir en fait comment Dieu fait ces choses on se serait vraiment, c'est vraiment la pensée humaine, c'est que Dieu va fonctionner avec ce qui est grandiose, ce qui est prédisposé à être grand, ce qui est à la base bien. Mais non, Dieu va souvent passer par des choses petites et misérables, méprisables pour faire de grandes choses. Et c'est ce qu'il fait. En, en, enviant, en venant dans le monde pour s'incarner, il ne vient pas dans le bling-bling, dans l'opulence, non, dans la petitesse et l'humilité totale. Il ne vient même pas être seulement un homme, ce qui est déjà rabaissant pour lui qui est le, le créateur, il vient être un sous-homme, un homme d'une catégorie sociale et inférieure, avec tous les problèmes du monde sur le plan ethnique, généalogique, sanguin et même financier, social. Et, même dans, et on voit justement que sa vie n'est pas une vie où il est le plus aisé, charpentier, mais il est le plus grand homme en fin de compte. Et c'est un encouragement pour nous, peu importe d'où on vient, peu importe qui, qui sont nos parents, nos grands-parents et tout ça. Le plus important, c'est ce qu'on fait de notre vie. Du moment où on la met au service de Dieu, pff, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc voilà, je trouvais ça intéressant en fait de voir comment Dieu voilà prend les petites choses pour faire de grandes choses. Et, 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 et bref, que ce, que considérer ces choses, j'espère que ça ça, 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 va, ça te fait voir Dieu différemment, ou bien voir plus Dieu dans tel qu'il est, un Dieu simple qui fait de grandes choses avec les petites personnes. Bref, je ne vais pas ajouter grand chose. Que Dieu te bénisse. Porte ta bien. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.